Salut à tous et à toutes, c'est Dominus aujourd'hui pour la révélation d'un deuxième skin légendaire, une nouvelle fois pour l'event anniversaire. Et aujourd'hui, un skin qu'on avait deviné, en tout cas qu'on avait présumé parmi les concept art et autres choses effectuées par la communauté, le skin de Reaper Masquerade. Donc déjà, on regarde la vidéo et après, on en regarde un petit peu en détail. Donc un skin qui est plutôt bien, hein, on le connaissait déjà, voilà, on l'avait vu, etc. Après, il n'est pas forcément aussi bien détaillé au niveau des plumes, etc. que ce qu'on a déjà vu au niveau des concepts qui avaient déjà été créés. Donc là, on a un skin qui respecte effectivement le bal costumé, Venise, etc. Donc on est plutôt content, le carnaval de Venise se tient bien avec ce skin de Reaper. Après, de là à dire que c'est un skin oufissime, il est bien, il est pas hors norme, le masque, le crâne, etc. est respecté, et on a quand même un petit peu le Reaper qui est quand même un petit peu la base, hein. On a gardé un petit peu cette base de crâne, de masque. Donc ça c'est plutôt pas mal, les guns qui sont pas forcément super optimisés, super géniaux, magnifiques, etc. Tout ce qu'on peut dire. Donc de façon générale, c'est un skin qui rend bien. C'est un skin légendaire. C'est un skin qui rend bien, mais qui va pas forcément casser trois pattes d'un canard, comme on dirait. Donc, pourquoi pas, il a des bottines, des petites bottines. Bon, pareil, hein, c'est le carnaval. Ça sera pas peut-être un 9 sur 10, comme j'aurais mis, par exemple, sur le skin Chaperon Rouge de H. Mais on a un skin qui a quand même quelque chose, qui a une petite, un petit truc, donc... On va peut-être lui mettre un 8 sur 10, 7 sur 10, peut-être 7 sur 10. Allez, soyons raisonnables, soyons cohérents. Mettons-lui un 7 sur 10, par exemple, pour celui-ci. Donc, bon, ça veut dire que demain, on va sûrement avoir encore un autre reveal. Après-demain, etc., etc. Demain, je ne serai peut-être pas capable de le faire, vu l'heure où il diffuse en ce moment. Donc, 20h, ça va être compliqué. Mais on continuera, évidemment, de vous informer et d'en parler autour, évidemment, de tout cet afflux de nouveaux skins, items qui arriveront pour l'event anniversaire. Je reprécise, évidemment, que cet event arrive mardi prochain, mardi 19 mai. Donc voilà, nous en tout cas on va se quitter là-dessus, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt, bye bye.